Oh, calme ça, mon ami. J'espère que tu vas bien. Si c'est la première fois que tu viens sur notre chaîne, merci de t'abonner, de liker, de partager, d'inviter tes amis. Ça peut peut-être les aider et surtout les éviter à aller payer des formations Ichimoku. Alors que ici, nous donnons tout ce que nous savons gratuitement. Sur ce, si toi, tu regardes cette vidéo sans que tu sois abonné, alors c'est pas gentil. Merci de le faire. Merci de partager. D'accord, c'est comme ça que tu peux nous encourager et soutenir la chaîne. Et c'est comme ça, on va avancer tous ensemble et ça va nous donner plus d'envie, plus de courage, enfin de courage, je sais pas, mais plus d'envie surtout pour vous donner de plus en plus de contenu gratuitement. D'accord? Et d'ailleurs, j'ai décidé de balancer la formation Ichimoku Zen Trading sur YouTube gratuitement. Ok, si on arrive à un nombre 500 abonnés, ok, ou plus, parce que je n'ai pas encore terminé, parce que je ne suis pas très très satisfait de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant concernant la formation. Donc, j'y retourne et j'ai décidé simplement de mettre ça sur YouTube. Mais une fois qu'on aura atteint les 500 ou voilà, on aura dépassé les 500 abonnés. Si tu aimes nos vidéos, nos contenus, et si tu m'encourages, hein, d'accord, si tu veux vraiment que je balance ce contenu gratuitement sur YouTube, alors merci de t'abonner, de liker, de partager la vidéo. Et donc c'est parti pour cette nouvelle vidéo. Nous allons voir tout simplement le nuage Ichimoku, comment il est calculé, comment l'interpréter et comment mettre toutes ces informations à notre profit, tout simplement. Donc c'est parti. Nous allons commencer par voir comment le nuage est calculé et après on va voir son importance sur le dans le système Ichimoku. Donc c'est parti. Donc là on va commencer tout simplement par voir comment le nuage est calculé et on va voir comment l'utiliser. Donc là ici hein, on va parler directement d'ici parce que oui, c'est facile de parler du passé hein. Ça on le dit tout le temps que c'est facile de trader dans une fois que les prix voilà, une fois que le marché est passé hein, et voilà. Donc mais maintenant donc avec Ichimoku, on va voir directement pardon, le futur. Donc là, on va voir le nuage ici, on n'a pas encore voilà, les prix sont ici. Et là, on voit que nous avons un nuage qui est ici. Donc, nous avons déjà des éléments du futur. Donc, on va voir ça. Tu vas voir comment Ichimoku est très, très puissant comme système de trading. Donc, comment est calculé ce nuage que tu vois ici? Donc, d'abord, pour commencer, hein, déjà, ça, c'est pas le bon exemple. Pourquoi? Parce que là, on voit déjà ici qu'il y a un petit problème, tu vois. Entre là et là, ok? Donc là, c'est une des anomalies à connaître, ok? Ça, c'est une des anomalies voilà, à connaître, mais ça, on aura ça dans la formation, ok? J'espère mettre tout ça dans la formation. Donc, si encore une fois, si tu veux que je balance ce projet-là sur YouTube, merci de partager, de liker, d'inviter tes amis. Sinon, si on n'a pas les 500 abonnés, ben, je mettrai rien du tout. Voilà, c'est comme ça. C'est donnant-donnant. Il faut que tout le monde soit content, tout le monde soit gagnant. Moi, je veux mes abonnés. Toi, tu veux la formation? Alors, invite simplement tes amis. Et en plus, ils seront contents de ne pas les payer. Ça, je sais pas moi. Donc, voilà. Donc, ça, c'est pas normal, mais ça, on va pas développer ça ici. En fait, l'écart qu'il y a ici et l'écart qu'il y a ici, c'est pas normal. Entre la Tenkan-sen et la Kijun-sen et l'écart qu'il y a entre la SSB et la SSA, c'est pas normal du tout, mais ça, on s'en fiche pour l'instant. Donc, on va voir ici comment est calculé le nuage. Ok, j'ai déjà assez blablaté, hein. Donc, le nuage, on va commencer par la SSB. Ok, parce que le nuage est composé de deux éléments. Il y a cette partie-là qui est là et qui est en bas ici. D'accord, j'espère que tu vois avec moi, on va en bas ici. Et cette partie qui est là, ok, en haut ici, donc il forme le nuage. C'est la SSA et la SSB. Sinon, on appelle ça la cinquouspane A et la cinquouspane B. Ok?
Attends, on va aller directement dans le système Ichimoku. Propriété Ichimoku. Voilà, c'est ici. On appelle ça le Kumo. Le Kumo haussier, le Kumo baissier. Mais ça, on s'en fiche un peu. Le Kumo haussier, c'est tout simplement quand la SSA et la SSB se croisent. Et si la SSA est, enfin, croise la SSB vers le haut. D'accord, ça c'est le Kumo haussier et le Kumo baissier, c'est le contraire, c'est quand la SSA, ok, passe mais en dessous, ok, du SSB. Voilà, mais ça on s'en fout, on s'en fiche un peu. Ok, c'est comme ça que le Kumo est formé ici. Donc là, on voit ici il y a du bleu et il y a du orange. Kumo baissier, Kumo haussier. Mais ça, bon, ça, on s'en fiche un peu. Donc là, si c'est la couleur dominante ici, c'est le bleu, donc c'est haussier. Et si c'est la couleur dominante qui est, voilà, ici, orange, ici, c'est baissier. C'est-à-dire ici, c'est la SSB qui est en bas ici, donc nous sommes baissiers. Et quand tu vas voir en haut ici, ça, c'est la SSB qui est en bas ici, donc son baissier. En fait, c'est la SSA qui détermine tout ça, qui détermine si le nuage est haussier ou baissier. Mais ça, on s'en fout. Maintenant, on va voir les calculs. Les calculs. Maintenant, nous avons cette SSB qui est là, ok, dans le futur qui est ici. Comment est formée cette SSB? Comment est formée cette SSA? Et comment ça se fait qu'elle se trouve ici alors que les prix sont ici? Ok, on va calculer ça tout de suite. Donc, ce point-là, le point que tu vois ici, cette SSB, ne regarde pas ça, hein. C'est le point qui est là, cette SSB qui est là. Ouh là, je fais quoi là? C'est le point qui est ici, ok, et le point qui est ici. Donc, on va commencer par ce point-là, cette SSB qui est là, pile ce point-là, ok. Comment est calculé ce point qui est ici? On va mettre ça. On va laisser ça comme ça, un orange comme ça. Quoique, on va changer de couleur. On va SSB, on va mettre ça en orange. Voilà, je crois que c'est ça. Voilà, comme ça. Donc ce point-là, comment est calculé? Comment ça se fait qu'il se trouve ici? C'est tout simplement, c'est une moyenne. C'est une moyenne tout simplement. C'est tout simplement la moyenne, le point moyen entre le point le plus bas et le point le plus haut. OK? Le point le plus bas plus le point le plus haut sur les 52 dernières périodes. Je recommence. Ce point-là, le point qui est ici, cette SSB-là qui est là. OK? C'est tout simplement la moyenne, voilà, c'est ça, la moyenne entre le point le plus haut et le point le plus bas, ok, des 52 dernières périodes, donc les 52 dernières bougies est projetée dans le futur. Donc, on va prendre le présent, enfin le présent et le passé, hein, on va dire comme ça. Le marché actuel, on va l'envoyer dans le futur, d'accord? Si tu as regardé les films Retour vers le futur 2, 3, voilà, comme ça, ben, tu m'as compris. Donc, voilà, ici, c'est tout simplement ça. C'est le point le plus haut, ok? Le point le plus haut, on va prendre le point le plus haut, il est ici. Regarde bien, hein? Le point le plus haut est ici. Voilà. Plus le point le plus bas, il est ici. Le point le plus bas est ici. Voilà. On les additionne les deux, donc plus. Tu prends ce point-là plus le point qui est ici. OK? Tu fais la moyenne des deux. Tu envoies tout ça dans le futur et on aura ce point qui est là. Donc on va voir ça tout de suite. Ici, pile ici, que ce qu'on a ici. Voilà, si on arrive là, on a à peu près, hein, ici, 1600
92,05. Tu as vu ou pas? Regarde ici, là. Regarde ici. À droite, ici. Voilà. Ce point-là. Pile ce point-là, nous avons le E. C'était pas pareil, hein. Ben ouais, à peu près. Voilà. Les 1691, en tout cas, c'est ce point-là. OK. Ça, c'est le point le plus haut, pile ici. Et ici, nous avons le point le plus bas, ici. Ici, nous avons 1642,17. OK. Donc, tu additionnes les deux. Tu fais le point moyen. Tu le divises par deux, hein, voilà la moyenne. Et tu envoies ça dans le futur. Et donc, on aura ce point-là. Donc, ici, on aura 1667,23. Fais-moi confiance. Sinon, calcule si tu veux, hein, OK? Prends ta calculatrice et tu calcules. Donc, ici, on a dit ce point-là. Attends, on va aller encore plus loin. On va faire ça. Allez, à peu près ici, pile ici, on va mettre ça en orange. D'accord, comme ça, au moins, on aura la même couleur. Voilà, ici. Donc, tu vas prendre ici 1692,14 plus. J'espère qu'on est bon là. Voilà, plus ça à peu près, hein. On est à combien là? On est où? Oh, j'essaie de te déplacer, toi. Pour bien placer cette droite là. Voilà, ici là. Tu fais le point, tu fais la moyenne de ces deux là, et tu les envoies ça dans le futur, et on aura ce point qui est ici. On aura ce point-là. Voilà. C'est bon. Fais une petite pause et fais les calculs. Entre 1692,14 plus 1642,08, tu divises par 2 et tu auras OK, ce point-là, 1667,11. Après, il faut pas exagérer non plus, hein. Tu vas pas avoir pile, parce que là, on n'est pas pile dessus, hein, mais c'est ça. C'est comme ça que cette droite, pardon, c'est comme ça que ce droite, cette SSB est calculée et il est envoyé ça dans le futur. Donc, comment on fait ça? Regarde ici. On a dit, c'est sur les 52 dernières périodes. Donc, les 52 dernières bougies. Donc, on va pas prendre cette bougie bleue qui est là. Pourquoi? Parce que cette bougie n'est pas encore terminée. Donc, cette bougie ne compte pas. Donc, on va mettre notre, comment? Voilà, notre point de croisement ici, sur cette bougie qui est là, qui est déjà terminée. Et on va envoyer ça jusqu'à 52 périodes. Donc là, nous avons les 52 ici, là. 51, 52, pile ici sur cette bougie bleue qui est là. Insertion, forme. C'est cette bougie qui est là. Voilà, cette bougie ici. Et donc, si tu comptes d'ici à là, on a 52. Tu comptes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 42, 52. Donc, tu vas prendre le point le plus haut plus le point le plus bas et tu fais la moyenne, tu envoies dans le futur. Donc, c'est comme ça que ce point est calculé. Donc, là, nous avons la SSB. Donc, tu vois pourquoi cette droite est très, très importante parce que c'est sur les 52 dernières périodes. Et comme nous, les êtres humains, nous sommes des êtres comment je peux dire ça? Nous aimons rester dans notre zone de confort, donc on a tendance à répéter les choses. Ok? Nous sommes voilà, on répète tout le temps. Enfin, on répète la même chose. C'est d'ailleurs ce qui a, c'est la folie, comme elle a été définie par Monsieur Einstein. Donc, nous aimons rester dans notre zone de confort et on a tendance à répéter les choses. Et donc, ici, il faut s'attendre à que cette zone,
OK, cette zone soit testée encore une fois, tout simplement. Donc là, comme c'est 52 périodes, donc c'est très très importante, donc cette zone est très 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 importante. OK? Donc une fois que les prix vont venir ici, les prix vont, il y aura une réaction. Donc si ça casse, là on aura cassé une zone très très importante. Donc voilà. Et maintenant, on va voir comment est calculée cette partie-là, enfin cette partie-là, la SSA.